Hello hello bonjour à tous, bienvenue sur ce UX Live. Merci Isabelle pour ton petit message. Effectivement, la musique n'était plus en boucle. Alors dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. De mon côté, la vidéo elle a l'air un petit peu, euh, peu flou, un petit peu bruitée. Euh, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est que tu m'entendes bien, que ce soit bien fluide, que je n'ai pas une voix de petit robot. Donc mettez-moi un petit message. Quand vous arrivez pour me confirmer, euh, me confirmer, tout ça. Au sujet de notre UX Live aujourd'hui, on continue notre série sur l'UX Stratégie. Et là, on va particulièrement parler euh, d'une des étapes, d'une un, des missions de l'UX Stratégiste. C'est la vision, le fait de construire cette vision, de la communiquer, de la co-construire, de, de la partager. Euh, C'est un sujet qui me qui particulièrement me tient à cœur. Cette, cette notion de, de vision, on va le voir, je pense que je vais être un petit peu passionnée sur, sur, cette, sur cette thématique. Euh, donc Isabelle, dis-moi si cette fois-ci, tout va bien. De mon côté, j'ai les feedbacks audio, euh, enfin le feedback visuel qui me dit que l'audio fonctionne bien. Ça, ça, ça semble OK. On a trois personnes aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer votre rentrée. Peut-être que vous êtes en train d'être euh, bah encore en vacances, peut-être en encore en train de profiter euh, au bord de la mer, au bord d'un lac, à la montagne, dans un, dans un pays euh, euh, étranger, très lointain peut-être. Euh, donc dites-moi si tout est OK, j'aimerais bien avoir un petit feedback quand même pour vérifier que, que c'est bien. Normalement, normalement quand ça va pas, vous me le dites très très rapidement aussi. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas encore... Euh, L'opportunité de le faire, je vous invite à aller très rapidement télécharger, enfin demander l'accès euh, aux, aux trois contenus que je vous offre en ce moment sur euh, les, le Club books Donc le Club books je t'inviterai à aller voir, je vais pas en reparler, ça fait déjà plusieurs vidéos que j'en parle. Mais là, ce que je t'invite à faire, c'est surtout d'aller récupérer les trois contenus que j'ai mis à ta disposition pour voir ce qu'on fait. Donc il y a une étude de cas avec un expert, il y a un mentoring sur. Euh, Sujet que tu découvriras, qui est surprise. Et associé à ce mentoring, donc que je réalise par moi-même, associé à ce mentoring, tu as un challenge de mise en pratique pour que tu puisses euh, ben, euh, mettre, euh, mettre en œuvre tous les conseils que j'ai donnés dans le, mentor, le mentoring. Isabelle, yes, la musique est de retour, donc moi je suis arrivée aussi, tout va bien. Sauf que tu es un peu flou, oui, je suis d'accord. Je sais pas c'est le, le réseau est, est aussi en vacances c'est fin août il a un petit peu il est un petit peu chaud donc euh, allez récupérer très rapidement euh, votre accès euh, gratuit aux trois contenus du club books ça fait toujours plaisir d'avoir des contenus d'experts mis à disposition alors ce sujet de la vision pourquoi est ce que c'est important quand on parle du X stratégie donc je vais pas refaire la définition euh, reparler des, des, des fondamentaux de des bases euh, pour savoir ce qu'est l'UX stratégiste, on en a parlé la semaine dernière. Donc, si tu ne sais pas, tu peux aller voir la vidéo de la semaine dernière qui est sur la chaîne. Là, on a particulièrement parlé de cette étape-là dans, dans l'approche de l'UX stratégiste. Il euh, faut savoir que la vision, c'est pas euh, un travail spécifique à l'UX stratégiste, mais c'est plutôt une sorte de point commun qu'on va avoir à tous les métiers stratégiques. Par exemple, euh, un, un fondateur d'une entreprise, on dit souvent qu'il est le porteur de la vision de l'entreprise, il est à, à une échelle stratégique dans l'entreprise, et c'est à lui de construire la vision pour emmener les équipes, euh, voilà, pour, euh, pour prendre des décisions stratégiques elle aussi, euh, pour orchestrer toute son équipe. Donc ce n'est pas spécifique à lui, stratégiste, je, je voulais le rappeler, puisque du coup vous pouvez le retrouver dans d'autres univers. Pardon, je bafouille un petit peu. Ça risque d'être comme ça un peu tout le long. Tu sais, quand ça commence, après, je bafouille tout le long. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vision Déjà, on va se poser la question de, de la base. Qu'est-ce que c'est euh, Et ensuite, on verra à quoi ça sert. Euh, la vision, c'est de se mettre dans. de, de se dire euh, quel est le monde idéal vers lequel on souhaite aller Quelle est la chose idéale qu'on souhaiterait proposer à nos utilisateurs Quelle est l'ambition ou l'aspiration de l'entreprise C'est quoi, quoi le. Qui on veut être demain, en fait, idéalement, qu'est-ce qu'on veut représenter euh, En termes d'image, en, en j'aime bien dire que c'est le point culminant. Euh, c'est, euh, disons, que tu as pour projet euh, de gravir le Mont Blanc ou de gravir l'Everest, même encore plus grand, on va prendre l'Everest. Euh, eh bien, en fait, le, le, le vision, c'est la petite pointe tout en haut, qu'il est difficile d'atteindre, que tu ne vas certainement pas atteindre sans préparation, euh, mais avec du travail, avec euh, de l'implication, tu sais qu'un jour, tu peux, euh, tu peux y arriver. J'aime bien aussi parler d'une sorte de, de point de GPS ou d'un euh, grand objectif, très grand objectif, euh, ou une sorte de phare pour un bateau. C'est quelque chose qu'on va suivre, ça va nous demander du temps d'y arriver, du temps, du travail, mais on a ce, 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 cette, euh, ce petit point euh, que tout le monde peut voir. On ne sait pas exactement quelles sont toutes les embûches qui nous attendent pour atteindre ce point, mais on va tous prendre cette même, cette même direction. Euh, J'aime bien aussi euh, prendre la, la métaphore d'une un, personne qui vient tout juste de se mettre au sport et qui, du jour au lendemain, je ne sais pas, parce qu'elle a vu un truc à la télé, ou parce qu'elle a rencontré un, un grand sportif, etc., se dit, moi aussi, je vais être marathonien. Alors, t'imagines le chemin qu'il y a à parcourir entre une personne qui ne fait pas du tout, presque pas de sport, et un marathonien. Mais cette personne, elle se met cette vision, ce grand objectif, ce grand but, elle se met ça dans la tête, et, et du coup, il y a plein de choses qui l'attendent. Elle n'a jamais couru. Il ou elle n'a jamais couru. Alors déjà, il va falloir qu'il se mette à courir pour se rendre compte de ce que ça donne. Il va falloir acheter tout l'équipement adéquat pour commencer à courir parce qu'il va très vite se rendre compte que euh, ses petites baskets, euh, ça peut lui faire mal aux pieds, lui faire mal aux genoux, etc. Il va falloir que cette personne trouve le rythme dans sa semaine, trouve le moment opportun euh, ben, pour pouvoir aller s'entraîner. Euh, cette personne, elle va monter en compétence en termes de connaissances. Sur euh, euh, quel, quel est l'entraînement pour arriver à un marathon, euh, puisque quand on commence à s'y intéresser, ben, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de manières de courir, plein de manières de s'entraîner. Elle va aussi augmenter en connaissance sur tout ce qui est autour comment, comment euh, faire pour bien récupérer, euh, comment manger pour bien courir, euh, comment. Euh, Comment s'hydrater avant, pendant après Est-ce que je dois prendre des suppléments alimentaires Bref, tu vois, il y a, y a un tout un tas de choses qui vont découler de ça. Et puis au fur et à mesure, ben, cette personne va peut-être faire son premier 5 km, son premier 10, son premier 16, son premier semi-marathon. Et peut-être à un moment donné, on ne sait pas au bout de combien de temps, seule cette personne le saura, eh bien, il va arriver à certainement devenir marathonnier. Et eh bien c'est pareil, la vision. La vision c'est, aujourd'hui, je ne suis pas capable de le faire, mais dans... X temps, X semaines, X mois, euh, je veux qu'on arrive à ce point-là. C'est notre ambition, c'est notre objectif qui n'est pas atteignable aujourd'hui, mais c'est ce qu'on veut être demain. Donc, comme je dis, elle est irréaliste, irréalisable, c'est pas irréaliste, mais irréalisable à l'instant T, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que peut-être qu'on n'a pas la technologie, euh, on n'a peut-être pas les ressources en interne, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas le temps, mais on sait qu'on va pouvoir construire. Une roadmap, donc des étapes, petit pas après petit pas, on va pouvoir construire cette, euh, cette vision. Donc, elle est irréalisable tout de suite, mais atteignable avec du temps et avec du travail. Alors, tu, tu, si tu t'intéresses un petit peu euh, au, au sujet, et l'eau, qui vient d'arriver, euh, si tu t'intéresses à ce sujet et tu veux approfondir, tu vas voir que on parle régulièrement de vision à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Elle n'a pas eu moins bien non plus qu'une autre. Là-dessus, il n'y a pas de règles. En fait, c'est juste que, en fonction de la temporalité qu'on donne, euh, la vision ne va pas forcément avoir le même rôle dans l'entreprise. Par exemple, une vision à 5 ans est très accessible quasiment par, pour toutes les personnes dans une entreprise. C'est excellent euh, pour, euh, je dirais, le... Euh, la culture d'entreprise, mais ça on approfondira après, mais c'est excellent pour la motivation de tous, pour comprendre quelle est la direction de, de l'entreprise, de savoir que dans cinq ans on veut atteindre tel objectif. Et souvent dans cinq ans, c'est des, obje des objectifs, une vision qui est plutôt atteignable. Donc on peut vraiment se permettre de la communiquer à tous euh, et, et de faire un maximum pour que tout le monde l'intègre, le vive au quotidien. Et en fonction de l'entreprise, eh bien, on va peut-être pas partager la vision à 20 ou 30 ans. D'ailleurs, toutes les entreprises n'ont pas de vision à 20 ou 30 ans. D'ailleurs, je tiens à dire que même beaucoup d'entreprises n'ont pas non plus de vision à 5 ans. Ça, c'est autre chose. Mais disons que les, les entreprises très ambitieuses, les entreprises qui veulent aller loin, qui veulent avoir un, un, un énorme, un, un grand impact sur le monde, on espère un impact positif en tout cas, les, les, les entreprises qui, qui, veulent, euh, qui veulent grandir vite et qui veulent, je dirais, tenir la barre de leur évolution, ces entreprises-là, elles ont une vision à 15, 20 ou, ou 30 ans. Euh, tu ne seras pas étonné si je te dis que chez Apple, ils ont une vision à, à 20, 20 ou 25 ans, quelque, quelque chose comme ça. Et je lisais un article récemment... Euh, de, de Jared Spool. Je t'invite à aller euh, regarder ce que fait ce monsieur si tu comprends l'anglais et que tu lis l'anglais. C'est un monsieur qui parle régulièrement, très très régulièrement, euh, du X Stratégie et globalement euh, du X, mais surtout du X Stratégie. Euh, et il écrivait un article où euh, il démontrait qu'il y a maintenant environ 30 ans, euh, tout, tout, au tout tout début de, de Apple, ils avaient défini une vision, euh, une vision à 26 ans. Euh, je ne sais pas pourquoi ils avaient choisi ce chiffre d'ailleurs, euh, une vision à 26 ans où ils avaient euh, fait la, la démonstration euh, d'une sorte de tablette dans laquelle on pourrait naviguer avec un avatar qui, euh, qui en fait serait un mentor qui nous aiderait à monter en compétences. Aujourd'hui, tout ce qui avait dans la, dans la vision de, de Apple à une époque où on était bien loin des tablettes, on était bien loin du tactile, on était bien loin d'avoir euh, des Skype, etc., tout ce qui est dans leur vision aujourd'hui existe. Et Apple a, un, a joué un très, très grand rôle dans, euh, je dirais, dans le développement de cette vision aujourd'hui. Alors, pas, Apple, finalement, n'est pas devenu Skype, parce que dans leur vision, l'équivalent euh, de ce qu'ils avaient dessiné, de ce qu'ils avaient imaginé, il y a du Skype et il y a, en fait, un iPad. Alors, ils ne sont pas devenus Skype et l'iPad, mais du coup, ils ont, euh, ils ont quand même euh, euh, imaginé cet iPad qui, euh, qui a grandement changé notre, notre quotidien. Donc, voilà, ça, ça permet, en fait, tout simplement aux entreprises... D'innover, d'aller plus loin, de voir plus grand euh, pour impacter vraiment le, le monde dans lequel on est. Et en tant qu'UX designer, comme on, comme on est centré utilisateur, eh bien quand on produit une vision, ce qui est, euh, je trouve, très positif, c'est qu'on va être attentif. À que cette vision elle soit centrée sur l'amélioration du quotidien des, des gens. Et pour ça, moi, ça me touche énormément, ce travail de vision, c'est du coup de se poser la question quel est le futur idéal Quel est le demain idéal qu'on aimerait proposer à nos, à nos utilisateurs Et dans, euh, dans l'état d'esprit, euh, je dirais un peu bisounours, que beaucoup du X-Designers ont et que j'ai personnellement, euh, c'est vraiment un travail que, que j'adore euh, énormément faire. Alors, à quoi ça sert Quoi ça sert, on en a un petit peu déjà un petit peu parlé. Je dirais la le, si on doit synthétiser en un point le à quoi ça sert, cette vision, euh, je dirais que ça permet de, de rassembler toutes les forces, toutes les, euh, toutes les ressources d'une entreprise, toutes les compétences d'une entreprise, et de les focaliser, un peu comme un laser, tu vois, sur un tout petit point précis, pour les focaliser dans cette direction là. Et au lieu d'avoir en fait des compétences qui vont partir dans tous les sens, d'avoir des, euh, des partenaires qui vont partir dans tous les sens, des collaborateurs qui, euh, euh, chacun fait un petit peu son truc dans son coin, et il y en a un qui part euh, vers le nord, l'autre vers le sud, un vers l'est et un vers l'ouest, et bien on va plutôt se dire bah non, nous notre focus, il est à, alors je ne sais pas comment on donne les, les coordonnées de ces GPS, mais corde, notre point GPS il est un tel, et maintenant on va y aller tous ensemble, et on va marcher tous ensemble dans cette même direction. C'est pour moi euh, l'objectif numéro un d'avoir une vision, c'est de faire que tout le monde mette ses efforts dans le même, dans le même sens. Alors, de manière un peu en ricochet, ça va, avoir, ça va avoir un impact sur des choses qui sont aussi essentielles. Ça va avoir un immense impact sur la culture de l'entreprise. Puisque quand tu donnes une vision, dans cette vision, et en fait, tu vas faire transpirer tes valeurs, euh, tu vas faire euh, transpirer. Euh, euh, ouais, je dire, globalement, tes valeurs et, et l'impact et que tu veux avoir sur demain. Donc forcément, ça en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'entreprise et sur la direction qu'elle a envie de prendre. Ensuite, ça va, avoir, euh, ça va vraiment aider et supporter au quotidien dans, sur les éléments euh, très opérationnels. Donc par exemple, pour le recrutement, on a cette vision, on a cet objectif, cette direction. Ok, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque comme compétence pour pouvoir y accéder et de là, on va pouvoir imaginer toutes les personnes qu'on doit recruter pour, euh, pour y arriver. Tous les métiers présents vont pouvoir aussi imaginer et prioriser toutes les actions qui vont euh, euh, mener dans le futur ou même tout de suite pour, au fur et à mesure, construire la vision. Et, et au, au quotidien, en fait, c'est se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire nous aide à, à monter une marche supplémentaire vers la vision est-ce que ce que je suis en train de faire est une brique supplémentaire pour construire la, la vision commune et, et de cette manière, eh bien, du coup, ça nous permet d'éviter, euh, euh, tu sais, les guerres de chapelle, euh, d'éviter euh, les, les, les guerres d'ego aussi, pour dire mon idée est meilleure, non, la mienne est meilleure. Non, ok les gars, en fait, on va juste se concentrer sur quelle est l'idée qui nous amène le mieux vers la direction qu'on est tous en train de, en train de prendre. Donc là-dessus aussi, c'est un excellent, excellent outil. Euh, je te ferai un, un petit témoignage après de ce que ça donne quand il quand n'y a, a pas de vision. Et globalement, du coup, ça permet aussi de structurer l'entreprise. Donc ça, tu l'as compris. On structure les actions, on structure les, euh, euh, les différentes compétences qu'on va intégrer dans l'entreprise. Et du coup, on peut imaginer euh, quel, euh, quel lien les métiers doivent avoir les uns avec les autres pour servir la vision. C'est comme si on était... Euh, on était tous au service de la vision au final et ça facilite énormément de choses. Alors je fais un, un, un rapide témoignage. Euh, en fait ça, fait, ça fait maintenant plusieurs années que je pratique euh, l'exercice de, de, de la vision avec mes, avec mes différents clients. Et pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à la vision C'est parce que j'en avais vraiment, vraiment, vraiment ras, ras la casquette, j'en avais super marre de tous ces projets sur, dans lesquelles en fait au bout d'un moment, le client ne savait plus dire ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas dans les propositions qu'on lui faisait euh, et où nous en fait, on, on ne savait plus le guider dans euh, la plus ou moins bonne ou plus ou moins mauvaise direction. T'imagines que tu as mis en place tout ton, toute ta méthode UX, euh, donc tu as rencontré les utilisateurs etc, euh, les, les, les utilisateurs, au fur et à mesure, valident euh, l'idée avec laquelle euh, euh, que, tu, que tu leur as apporté le, les idées que tu leur as fait tester. Euh, toi, tu as bien fait ton, ton étude terrain, euh, euh, tu as, as fait du, du qualitatif, tu as, as rencontré euh, vraiment des, des utilisateurs qui sont très représentatifs euh, de, du, du panel que, à qui tu souhaites t'adresser. Tu as bien fait ton travail du X. Mais au bout d'un moment, tu as des conversations avec le client où il te dit oui, mais. Ouais, mais là, tu vois, on se retrouve pas. Oui, mais là, c'est pas vraiment nous. Et ça devrait être un peu plus comme si, un peu plus comme ça. Et encore, quand, quand, le, client, je te dis, quand le client arrive à te dire je me retrouve pas, as déjà, as déjà grimpé une grande marche. Mais parfois, t'as as, as tout validé auprès de tes utilisateurs, mais tu sais pas pourquoi, le client, il n'arrive pas à valider ton idée. Ça lui va pas, il trouve toujours une excuse, un machin, il tourne en rond. Et personnellement, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, et ça m'est même arrivé une fois, et c'est là que ça a été la, la, la révélation pour moi, J'étais en agence et là, un client nous a abandonnés en plein milieu. On n'arrivait pas, alors qu'on faisait des choses qui, à nos yeux, étaient de très grande qualité, euh, et on était vraiment attentifs et très très à l'écoute de ce que le client nous disait, mais il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il voulait, et pourtant ce qu'on était en train de produire était très centré sur les utilisateurs et il répondait vraiment aux utilisateurs. Ma client, au bout d'un moment, il a dit stop. Il a dit j'arrête. Il a dit ⁇ Je veux plus, je, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à communiquer ⁇ En fait, il voulait qu'on prenne la position d'exécutant euh, pour pouvoir faire ce qu'il disait. Mais nous, on refusait en tant, que, en tant que designer. Et en fait, en prenant du recul avec euh, ce qui s'était passé avec, euh, avec cette personne, on s'est rendu compte qu'en réalité, on n'avait pas construit ensemble une vision commune. On n'avait pas, on avait pas un, de, de fondation commune sur laquelle parler et se dire ça, c'est la direction que l'entreprise que souhaite prendre. Donc en fait, tout le long du projet, on était en parallèle. On se parlait, on se comprenait plus ou moins, mais on n'a on a jamais convergé jusqu'au moment où le client a juste dit stop, je ne veux plus travailler avec vous. Donc quand tu as une, une expérience comme ça, ça fait un peu mal et tu te poses la question de pourquoi. Et donc en fait, il ne faut pas converger en plein milieu du projet il faut converger très rapidement sur les, sur les éléments stratégiques. Donc, cette fameuse vision, et on n'est pas obligé, alors ça je pourrais en reparler dans une vidéo, mais selon moi, on n'est pas obligé d'être UX stratégiste pour euh, faire de la vision, on peut faire juste de la vision sur le projet. On n'est pas obligé de faire de la vision euh, globale, mais ça je pourrais en faire une vidéo, une vidéo dédiée. Donc voilà, là-dessus c'était pour simplement pour te dire à quoi, euh, à quoi ça sert. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour euh, la concrétiser, cette, euh, cette vision Alors, cette vision, tu ne seras pas étonné en tant que UX stratégiste. Euh, qui, est quand même un, qui est un des métiers UX donc, qui, utilise, qui peut utiliser des outils proches de l'UX design euh, la vision souvent ça va être une histoire ça va être un parcours utilisateur euh, ça va être une vidéo par exemple dans laquelle on va raconter le futur et cette, euh, cette vidéo, cette vision elle doit vraiment vivre, être partagée c'est pas, pas un livrable qu'on qu garde de son côté et qu'on se dit oui super maintenant j'ai fait la vision euh, tiens, je l'envoie aux trois fondateurs euh, et, et quelques partenaires stratégiques. Non, non, ça doit vraiment être un outil qu'on diffuse largement dans l'entreprise euh, pour que chacun puisse euh, le raconter, se l'approprier euh, et, et vraiment faire de cette vision un des éléments euh, structurants pour son quotidien. L'objectif... Euh, avec ce, avec ce livrable de, de la vision, alors après il faut imaginer le livrable qui sera le, le mieux par rapport à, à l'entreprise, c'est que chaque jour, chaque personne se demande est-ce que ce que je fais nous aide à atteindre un peu plus la vision Donc pour ça, il faut que, il faut que ce livrable soit très accessible, très facilement diffusable, et c'est comme ça que la vision va se concrétiser. C'est parce qu'on va la, la communiquer largement qu'elle va un jour se, se concrétiser et que euh, tout le monde va se mettre en, en marche pour pouvoir la, la concrétiser. Alors, dernière question qu'on a envie de se poser, en tout cas que j'avais envie de me poser et que euh, je partage avec vous aujourd'hui, c'est comment imaginer cette vision Comment on fait Comment on fait concrètement euh, alors On pourra peut-être faire, euh, faire d'autres vidéos là-dessus, mais très rapidement. Euh, Typiquement, les, les ateliers de co-construction, co-création, tu les appelles comme tu veux, design thinking, etc. C'est vraiment, vraiment l'outil idéal pour imaginer la vision. Euh, la vision, ce n'est pas un truc que, que tu fais dans ton coin en, en tant que UX stratégiste. D'ailleurs, je pense que le métier de UX stratégiste, c'est vraiment un métier qui demande d'être dans la co-construction, co-création énormément. Euh, pour faire que, en fait, toutes les. Euh, les parties prenantes stratégiques de l'entreprise, donc souvent c'est les directeurs, fondateurs, etc., arrivent à trouver un lieu commun où ils vont pouvoir construire cette fameuse euh, vision qui, et, et ensuite pouvoir la partager tous, en, tous ensemble. Donc concrètement, pendant ces ateliers de co-création, eh on fait des exercices de projection dans le futur. Donc, euh, euh, des, des exercices, on se dit, imaginons le, le, le futur idéal pour nos utilisateurs. Euh, comment pourrions-nous proposer la meilleure expérience euh, à, nos, à nos utilisateurs on, Comme on est dans le futur et qu'on veut ouvrir un maximum, trouver des choses... Euh, très innovantes et qui nous font vraiment faire un bond dans, dans plusieurs années, eh ben on peut générer des, des idées farfolues, impossibles, de la science-fiction. On peut euh, voilà, se mettre dans un état d'esprit de monde idéal euh, dans lequel il n'y a pas de problématique d'argent, il n'y a pas de problématique de temps, il euh, n'y a pas de problématique de moyens globalement. Euh, puisque de toute façon, les moyens, on va les trouver sur, euh, sur le chemin. Voilà les amis ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur, euh, sur la vision. Alors, je vois que vous n'avez pas été hyper bavard <laughs> dans, le, dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ou pas Est-ce que c'est un sujet avec lequel vous êtes à l'aise Alors, je veux juste revenir sur. Le temps, le temps que vous mettiez vos, vos petits commentaires. Euh, juste revenir sur un truc. Donc, je disais on peut travailler la vision sans être UX stratégiste. J'y crois fondamentalement, c'est juste que du coup, euh, c'est pas une vision qu'on va euh, déployer largement dans l'entreprise, mais c'est un exercice de vision qu'on va faire spécifiquement pour le projet sur lequel on est. C'est d'arriver au tout début du projet à mettre en place les éléments fondamentaux pour dire nous, en tant qu'entreprise, on veut prendre telle direction. Notre ambition c'est celle-ci, notre objectif c'est celui-là. Et parce qu'on aura très très bien défini cet objectif, et bah après, l'équipe de conception, avec notre démarche centrée utilisateur, va pouvoir concevoir les, bah, le produit le mieux adapté aux utilisateurs, mais aussi, là c'est là qu'il faut faire un jeu, un jeu de, de balance, un jeu d'équilibre, mais tout autant euh, adapté à l'entreprise avec laquelle on travaille. Je, je suis profondément convaincue que pour être un bon UX designer, il faut autant prendre soin de notre client, client qui soit interne ou externe, en tout cas de la personne pour qui on va livrer le projet, il faut autant prendre soin de nos clients que de nos, de nos utilisateurs. Et c'est quasiment mettre en place la même méthodologie que des clients, que du côté des, côtés des utilisateurs. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à sereinement développer. Un, un projet, un produit, un service qui a du sens. Merci Mélo de Adèle qui, nous dit, qui fait des merci. Bon, écoutez, les amis, euh, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez des commentaires euh, suite à, à la vidéo, n'hésitez surtout pas à les ajouter. Je réponds toujours avec grand plaisir. Euh, et comme je le disais en début de vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore profité euh, des euh, trois contenu offert euh, sur le Clubbook, c'est juste en bas de la vidéo. Donc, c'est pour que tu puisses découvrir ce qu'on fait dans le club et que tu puisses euh, voir si c'est adapté pour toi ou pas. L'ambition, en fait, du club, c'est tout simplement de chaque mois avoir des contenus d'experts qui viennent nous parler de leur, euh, de leur, euh, de leur expérience passée. Euh, et puis, moi, je fais des mentorings tous les mois qui permettent de voir très concrètement, pas à pas. Dans mon ordinateur, sur mon bureau, comment est-ce que je fais euh, différentes méthodes, différents, avec différents outils, etc. Donc c'est du 100% concret avec le Club Books, Et surtout avec le Club Books, tu passes à l'action. Il y a un challenge de mise en pratique que tu peux euh, partager, échanger avec les, euh, les membres du Club. Alors, il y a des petits messages. Michael, je travaille actuellement sur un projet que je ressens un peu freestyle, où je n'ai pas pu appliquer toutes les étapes de recherche UX. Du coup, on arrive à une livraison un peu foireuse. Est-ce que ça peut être une problématique vision de la direction alors, euh, si c'était freestyle, <laughs> c'est très certainement qu'effectivement, tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir une, une vision claire en amont. Euh, mais si, si c'est freestyle, euh, livraison un peu foireuse, ouais, mais euh, effectivement, effectivement si, si depuis le début, tu sens que c'était euh, à l'arrache, de toute façon, euh, c'est le travail, tu sais, qui, qui est. Euh, euh, qui est de, de travailler avec le, pli le client pour définir l'ambition la, euh, du travail que tu, que tu veux faire. Donc il y a, y a la vision, mais il y a peut-être aussi, si c'était freestyle et foireux, il y, y avait peut-être aussi tout simplement de se poser la question du pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est juste ça, c'est juste tout simplement ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet Quel est le rôle du projet donc c'est une des questions qu'on va répondre dans la vision. Euh, mais même quand on ne travaille pas la vision pour, pas, pour ne pas partir sur des projets euh, foireux et freestyle, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tout comprendre, comprendre le contexte, comprendre l'environnement. Alors je suis d'accord qu'on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Euh, ça m'est personnellement, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais tu vois, ça m'est arrivé personnellement il y a maintenant euh, quelques mois en arrière, où on a eu l'opportunité de faire un projet court, heureusement court. Euh, et sur lequel on nous a dit T'inquiète, j'ai toutes les informations du client. Moi, j'étais pas super à l'aise, euh, puisque le bouche, on connaît le bouche à oreille. Hein. Le bouche à oreille, il y a, a l'émetteur qui dit quelque chose. La personne en intermédiaire, euh, elle en oublie 50%, voire même 70%. Et du coup, toi, toi ce qu'elle te transmet, c'est plus que les 30%. Et puis en plus, toi-même, dans les 30%, tu vas en retenir que 30%. Donc ça fait pas beaucoup au final. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et. Euh, et en fait, et ben on a, on a douillé tout au long du projet parce qu'on euh, a accepté qu'il y a un intermédiaire et on n'a euh, pas fait correctement notre travail qui est de dire non, je vais aller explorer, exploiter avec mon client le pourquoi il fait les choses et mettre en place un cadre clair, concis euh, et partagé par euh, toutes les parties prenantes du projet. Alors, Adèle, quelle est la différence entre l'UX stratégiste et le product owner Excellente question, Adèle. Alors, Adèle, euh, je, très souvent, je vais quand on va me demander quelle est la différence entre et entre dans l'univers dans euh, de on va dire de, du design euh, du produit et euh, de l'UX, je vais très très souvent répondre, ça dépend de l'entreprise, parce qu'en fait, on est sur des, des métiers très récents, très jeunes, où quasiment chaque, euh, chaque personne imagine son poste, son rôle en fonction du contexte dans lequel il est. Dans lequel il est. Euh, ce qu'il faut avoir en tête. Euh, le product owner, c'est un peu plus un, de mon point de vue. <laughs> Encore une fois, de mon point de vue, euh, c'est un peu plus le chef d'orchestre du produit. Donc c'est lui qui va gérer avec l'équipe de design, l'équipe euh, tech et l'équipe euh, et l'équipe business. Et lui, en fait, il va être cette, euh, cette cet élément central, ce, cette plateforme, en fait, qui va orchestrer tout ça et qui va faire le lien entre les différents, les différents éléments. On est d'accord que beaucoup de product owners gèrent aussi la stratégie du produit. Euh, et et c'est là que, du coup, on pourrait commencer à se poser la question, mais quelle est la différence entre product owner et product manager Encore une fois, ça dépend des, des entreprises. Euh, mais, mais du coup, voilà, ce, ce product owner peut avoir cette casquette légèrement stratégique et c'est là que la frontière est floue entre Product Owner et, et Product Manager. La différence avec l'UX Stratégiste, c'est que l'UX Stratégiste, euh, comment je dirais, euh, son, son, son rôle il va vraiment être encore plus global. Euh, L'UX Stratégiste il va, il va vraiment se mettre entre guillemets quasi, quasi, euh, quasi comme un satellite autour de l'entreprise. Euh, et, et en fait, il va pas orchestrer directement. Il est, est peut-être moins dans l'opérationnel et, et beaucoup plus dans le euh, comment est-ce qu'on va faire pour que euh, la vision, la stratégie, etc., euh, puisse se mettre en place dans l'entreprise. Et en fait, il va être le garant de la stratégie globale, mais il va pas lui être sur le produit en direct. Ça ne veut pas dire et surtout dans les startups d'ailleurs, ça ne veut pas dire que des product owners ne font pas, ne font pas un peu d'UX stratégie s'ils ont le, les compétences, et vice-versa. Euh, dans les startups, surtout dans, en, dans, en démarrage, euh, tu vas avoir des UX stratégistes qui sont product owners, UX designers, un peu, tout, un peu tout en même temps, quand ils ont la compétence. Euh, voilà, donc il n'y a pas une réponse. Euh hyper figé là-dessus, je pense, et ce serait une erreur de, que de donner une, une réponse hyper figée. Ce que je pense, c'est qu'en fait, je, dans, on doit adapter le métier à chaque contexte dans lequel on est pour pouvoir servir au mieux le, le produit ou le service. Ça, j'y crois mais euh, euh, à 100 euh, surtout dans les, encore une fois, dans les startups et dans les plus petites entreprises. Là où dans les grandes, mais du coup, je connais beaucoup moins les grandes entreprises. C'est vraiment un environnement duquel je me suis Éloigné, donc je peux moins t'en parler. Et peut-être que dans les grandes entreprises, ce, les, les rôles sont beaucoup plus euh, cadrés, euh, délimités et, et, euh, et un peu standardisés, j'ai envie de dire. Mais là, du coup, il nous faudrait l'avis d'un autre expert. Ce serait, ce serait cool d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. On pourrait inviter, si tu es expert, si tu as envie de venir. Participer. C'est des choses que j'ai en tête que je n'ai pas encore eu le temps de, de mettre en place ou très peu. Si tu as envie de venir sur un live parler d'un sujet que tu es expert et que tu as envie de le partager avec la communauté, n'hésite pas à m'envoyer un message. Euh, vraiment, c'est l'ambition dans les prochains mois c'est euh, aussi d'utiliser cette, cette chaîne YouTube comme, euh, comme plateforme pour faire parler d'autres euh, experts et, et vraiment que, que chacun puisse transmettre, partager pour avoir encore plus de, de dynamisme. C'est pas que je commence à m'ennuyer toute seule derrière mon, mon micro, mais euh, euh, c'est parce que je sais et je, je, je suis convaincue que plus il y aura de monde qui viendront intervenir ici, plus on aura de, de la valeur et plus ce sera cool et plus ce sera actif. Voilà les amis, ben, écoutez, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour le prochain live. Je pense qu'on continuera sur cette série euh, sur l'UX stratégie jusqu'à ce que j'ai euh, une nouvelle envie. Et si toi aussi tu as des envies de sujets, etc., n'hésite pas à m'envoyer un message. Je le traite très vite et avec plaisir. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.